Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur MTGQ. Petite vidéo très spéciale aujourd'hui. En fait, c'est le premier anniversaire de la chaîne. Et oui, ça fait un an aujourd'hui que j'ai posté la première vidéo sur la chaîne. Je tiens à vous remercier énormément de votre support, de les échanges qu'on a ensemble, des commentaires que vous nous faites, de nous regarder, de nous encourager à continuer. C'est très, très, très apprécié. On est proche du 100 abonnés, 90-ish, à l'heure qu'on se parle. J'aurais jamais pensé atteindre ça. Aussi rapidement. Je m'étais honnêtement pas fixé d'objectif en commençant, mais c'est au-delà de ce que j'aurais pu penser. Encore une fois, merci beaucoup. C'est grâce à vous et c'est pour vous qu'on fait ça. On aime ça, mais c'est pour vous qu'on le fait. Aujourd'hui, évidemment, on va discuter un peu, on va ouvrir des choses. On va ouvrir des boosters, on va parler de ce qui s'en vient. On va... J'ai une couple de petits sujets que je vais aborder avec vous très rapidement. On va essayer de ne pas faire ça trop long. Puis que vous voyez un peu d'opening. Vous avez vu que le Party Goblin, il a son petit chapeau de fête. Donc, on commence. Premièrement, il y a un an, j'ai posté la première vidéo que vous allez voir. Probablement dans le coin, ici ou là. Que je vais mettre silencieuse en petit. J'avais ouvert deux boosters de rival, le Fixalan. Puis un booster d'Ixalan. On va refaire ça. Je ne sais pas si on va être plus chanceux que lors de la première ouverture. Mais on va reproduire cette ouverture-là. À l'époque, je parlais pas dans les vidéos. J'ai passé les cartes sans dire un mot. Je vais les lire rapidement pareil. Sun-Crested Pterodon. Je vais juste me tasser pour laisser la place aux vidéos. Sun-Crested Pterodon. Miss Cloak Herald. Goblin Trailblazer. Auraxa Frillback, Phantom Fleet Border, Naturalize, Traveler Amulet, Martyr of Dusk, Dark Inquiry, Soul of the Rapids, Full Orchard, Thunderhead Migration, Trashing Brontodon, Admiral's Order, donc un instant, un bleu, un colorless de bleu, pardon, Raid, si tu as attaqué une créature, avec une créature ce tour-là, tu peux payer un bleu au lieu de payer son manacos et sa counter un spell. Une montagne et un saproligne. On poursuit. Oups, on ne faut pas tomber. On s'achète un peu. On poursuit avec Ixalan. March of the Drowned. Shining Aerosaur. Deadeye Tormentor. Rummaging Goblin. Ixali Keeper. Shorekeeper. Unfriendly Fire. Cancel. Colossal Drenma. Demystify. Navigator's Rune, Earthless Pillage, Dover of the Mighty et un Sword Point Diplomatie. C'est une sorcerie, deux colorless, un noir. Tu révèles les top 3 cartes de ta librairie pour chacune de ces cartes. Tu peux les mettre dans tes mains, sauf si l'opponent paye 3 points de vie. Ouais, c'est ça. Pour chacune des cartes, en fait, l'opponent peut payer 3 points de vie. S'il le fait, tu l'exiles, sinon tu les mets dans tes mains. Une plaine et un trésor, chacune. Et... je ne sais pas si on va finir en même temps. 3 minutes 11, ouais, on devrait être pas pire. Le dernier rival. Goblin Trailblazer, Sun Sentinel, Fanatical Firebrand, un Feedback, Phantom Fleet Border, Naturalize, Buccaneers Bravado, Martyr of Dusk, Sworn Guardian, Deledma, Woodland Stream, Forerunner of the Coalition, Swift Warden, Paladin of Atonement, un blanc, un colorless, un blanc, Vampire Knight 1-1. À chacun de ton upkeep, si tu as perdu des points de vie au dernier tour, tu mets un compteur plus 1 sur le Paladin. Quand il meurt, tu gagnes un nombre de points de vie égal à son toughness. Une île et un dinosaure. Donc, morale de l'histoire, non, pas nécessairement mieux que l'opening original. Mais c'est pas grave. C'était très plaisant. Pareil. Puis, c'est pas fini, ce n'est que le début.
Comme vous savez, depuis toujours, on met au minimum un vidéo d'opening à chaque samedi. Ça peut varier. Bon, des fois, c'est une boîte, des fois, c'est quatre boosters. Ça dépend de la saveur du mois et de ce qu'il y a pour l'instant. Hein? Fate Reforge. On va ouvrir un Fate Reforge. On va continuer à mettre des vidéos à chaque samedi. Au minimum, à tous les samedis, on essaie de mettre un opening. Sultai Runemark. Azban Runemark. Aven Surveyor, Ancestral Vengeance, Warflare, Soul Summon, Lightning Shrieker, Archer of the Carcy, Smoldering Ifrit, Return to the Earth, Merciless Executioner, Orc Through Sureshot, pardon, Grave Strength et Crux of Fate. Trois colorless, deux noirs, sorcerie, choisis un, tu détruis tous les dragons ou tu détruis tous les non-dragons, Tranquil Cove et un petite carte. Donc, à chaque samedi, on essaye d'ouvrir 1, 2, 3 boosters, des fois plus. Ah, elle est en révolte. Ça va continuer comme ça. On va aussi passer l'Aïta révolte, puis après ça, on va continuer. Taken to Custody, Girapur Osprey, Wrangle, Ally Strangler, Scrounging Bandar, Daring Demolition, Implement of Ferocity, Implement of Examination, Reservoir Walker, Destructive Tempering, Eden Herbalist, Renegade Rallye, Pyrrhus Predicament, Merchant Dockhand, Artefact Construct 1, Manor Colorless 1-2, 3 plus 1 bleu, tap, tu tapes X, on tape artefact que tu contrôles, tu regardes X cartes de ta librairie, le top X cartes de ta librairie, tu en mets une dans tes mains et tu mets le reste en dessous de ta librairie, une montagne et un gremlin. Pour les autres vidéos, on va souvent, ça va être le mercredi. Il n'y en aura peut-être pas à toutes les semaines. On va essayer de mixer un peu des deck tech, des set reviews, des matchs. Puis, la petite dernière que j'ai faite récemment, les nouvelles sur Magic. Mon Dieu, c'est... Merci de votre réaction. Merci de l'engouement que vous avez eu envers cette vidéo-là. On va continuer. Quand on va voir qu'il y aura assez de nouvelles, on va vous condenser ça puis vous faire un petit résumé. Je ne sais pas, ça va être au combien de temps. Mais on va essayer de vous rappeler ça. Ah, on va ouvrir un Kaladesh. Demolish. Ninth Bridge Patrol. High Tide Hermit. Build to Smash. Molfish Squad. Appetite for the Unnatural. Praraka Pilarbog. Pima Outrider. Workshop Assistant, Glintsleeve Artisan, Contraband Kimpin, Spark of Creativity, Restoration Gearsmith, Cultivator of Blade, 3 colorless, 2 verts pour une 1-1 Elf Artificier, Fabricate 2, quand il arrive sur le Battlefield, tu mets 2 counter +1/+1 sur lui, ou tu crées 2 1-1 Cerveau Token Artefact. Quand il attaque, tu peux avoir les autres créatures qui attaquent. Ouais, c'est ça. Les autres créatures qui attaquent avec lui avoir +X/+X ou X et son power. Et un heal et un construct. Donc, on va essayer le plus souvent possible de mettre des vidéos mercredi. On va continuer les autres vidéos. Question Monarque. On a travaillé. On continue à travailler sur les enregistrements. Comme vous avez vu, on a encore amélioré le setup pour que ce soit plus agréable pour vous. On travaille ça fort. On a une idée qui bouille. Je vais mettre un petit spoiler. Le nom n'est pas fini encore, là, mais je vais vous mettre un petit quelque chose dans le coin que vous allez voir. Soyez pas zoomé. je ne sais pas encore comment on va appeler ça, mais on va essayer de faire un peu de dynamique avec nos matchs de Monarque. De créer un petit quelque chose qui va vous intéresser, puis qui va rendre ça agréable. On aimerait peut-être regarder dans un avenir proche pour aller, caller les shots avant, là, mais aller en boutique, mettons, on vous dit tel jour, de telle heure à telle heure, on va être à telle boutique, si vous voulez venir jouer, faire du Monarque, juste vous amuser. On va essayer d'avoir des decks de spare avec nous pour que vous puissiez essayer.
Ouais, on va ouvrir un booster puis on va commencer à parler du monarque après. Battlebound. Battlebound. Ah, c'est vrai, les rares étaient sur le dessus dans ce set-là. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On commence par la rare direct. Warrior, pleine, bonus round. Un colorless, deux rouges, jusqu'à la fin du tour quand un player joue un instant ou une sorcerie. Ce joueur-là peut la copier, puis il peut choisir une nouvelle target pour la copier. Vétéran, Explorer, Fogbank, Dinrova Aurore, Rotfester Maggot, Augurer Spree, Shoulder to Shoulder, Eyeblight Assassin, Wandering Wolf, Azra Bladeseeker, Saltwater Stalwart, Primal Unbeast, Expate Golem et Battle Rempart. Donc, oui, c'est ça. On va essayer de faire des matchs avec... ouais, une simili-story. On va essayer d'aller jouer avec vous autres. Ceux que ça intéresse, on va regarder jusqu'où on peut se rendre, ce qu'on est capable de faire. Après ça, j'ai des fans qui m'ont envoyé des deck tech. J'essaye. Des fois, il manque quelques cartes. On essaye des avoirs. Ça dépend du prix. Ça dépend d'une couple de choses. On essaye de faire des decks, mais ça prend du temps. C'est quelque chose que je veux continuer. Ceux que j'ai gardé les deck tech. J'ai pas oublié. On va regarder dans la cédule. On fait ça à temps plus que très partiel. On travaille. On a d'autres occupations, des familles. Mais on veut jouer les decks des gens quand on est capable, les montrer sous caméra, faire des match-up avec. C'est quelque chose qui est encore dans nos cartons. On vous oublie pas. Eldritch Moon. Prey Upon. Cultist Staff. Woodland Patrol. Succumb to Temptation. Woodcutter Script. Exultant Cultist. Sensia Innkeeper. Ironclad Slayer. Turn Aside. Peace of Mind. Geist of the Archive. Elder Deep Fiend, 8 colorless Eldrazi, Octopus 5-6 Flash, Emerge pour 5 colorless et 2 bleus, tu peux caster. Tu peux caster ce spell-là en sacrifiant une créature et en payant son Emerge Cost. Et le coût est réduit par le mana converti de la créature. Quand tu castes Elder Deep Fiend, tu tapes jusqu'à 4 target permanent. Un Kessig Prowler et une montagne avec un Human Soldier. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a d'autres projets qu'on avait discutés qui sont encore semis sur la glace. On avait parlé de faire des matchs avec des decks de blocs. On y travaille encore. Ça prend beaucoup de cartes. Surtout que certains blocs qui sont plus durs que d'autres, mais on voulait peut-être essayer de reproduire les gros decks des époques des blocs, puis de les faire jouer un contre l'autre. On avait eu dans l'idée de peut-être faire une espèce de block tournament pour voir quel bloc sortirait gagnant. On continue à travailler là-dessus. On espère que ça va se concrétiser beaucoup parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. Tiens, on reste dans le mauve avec un Iconic Master. Petit Iconic Master. Guard Duty. Mnemonic Wall. Virulent Swipe. Hunt the Weak. Disenchant. Claustrophobia. Phyrex and Rager. Nature Slain. Splatter Tug. Azorius Charm. Paladium Mir. Fireball. Et Simic Sky Swallower, c'est probablement celle-là que tu veux pas nécessairement. 5 colorless, 1 vert, 1 bleu, 6-6 Flying Trample, Shroud. Et on a un Frost Lynx Foil avec un ange. Donc, les matchs de bloc, on a dans notre probablement plus gros projet qui va se conquérir. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt. Je vous ai fait, vous avez vu la petite vidéo dans le coin avec la boucane. Planeswalker War, Monarch War, je ne sais pas encore, mais c'est notre prochain projet relié au Monarch.
qui va se passer. Non, je vous en dis pas plus, ça va venir dans une vidéo prochainement. Mais dites-vous que on va faire match, opening, puis une petite compétition au travers de ça là, qui va s'installer. Tiens, Conspiracy Take the Crown. Jusqu'à là, on va se dire, on n'est pas super chanceux dans nos openings. Negate, Amber Beast, Absorbvis, Illusionary Informant, Gleam of Resistance, Strength in Number, Ghostly Possession, Killshot, Opaline Unicorn, Prey Upon, Bush Rider, Deadly Design, Avengeful Vampire et Dusk Mental Seer. Deux colorless, un bleu, un noir. 4-4 Flying Vampire Wizard. Au début de ton upkeep, chaque joueur révèle la top card de leur librairie et perd un nombre de vies égal au mana converti de cette carte-là et les mettre dans leur main. Natural Unity et un insecte. Donc, on a 130 vidéos de postées. C'est le 131e. Je veux faire un Q&A à 200. Le 200e vidéo, je veux faire un Q&A. Fait que ceux qui veulent commencer à nous envoyer leurs questions, je vais les prendre en note. On va vous préparer des réponses. Bon, probablement improviser des réponses. On a fait beaucoup d'improvisation chez MTGQ. Probablement vous improviser des réponses. Voyons, à la vidéo 200. On a une autre, c'est encore une coupe à ouvrir. C'est un spécial. Un premier anniversaire. Encore du Battlebound. Zombie. Pleine. Oh, Grotama All Devouring. 3 colorless, 2 verts, 18. Legendary créature Worm. Les autres créatures ont. Quand cette créature attaque, tu peux la faire fighter. Grotama All Devouring. Quand Grotama livre le battlefield, chaque player pige un nombre de cartes égal au nombre de dommages qu'ils ont fait à Grotama. Avec une source qu'il contrôle. Plague Crusher, Opportunity. Savage Ventma, Rebuke. Water Courser, Screeching Buzzard, Sears Lantern, Reckless Reveler, Saltwater. Stalwart, Lead by Example, Frostlynx. Benthic Giant et un Yotian Soldier. Donc, aussi, s'il y aurait des sortes de vidéos que vous voudriez voir, des trucs que vous voudriez qu'on fasse ou qu'on arrange, c'est le temps. Vous pouvez toujours nous envoyer un petit message. Ça peut être en privé, sur la page, sur YouTube. On va regarder ce qu'on est en mesure de faire. On a déjà une couple de vidéos qui roulent. On va sûrement essayer d'autres idées. Il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Fait qu'on varie. On ouvre un Fate Reforge. On va s'empoigner un Fetch, mettons. Ou Ugin, Asban Sky Captain, Enhance Awareness, Tifa Drat, Grim Contest, Dragon Bell Monk. Temur Battle Rage, Return to the Earth, Mardu's Cat, Archer of Karsi, Fierce Invocation, Wandering Champion, Fruit of the Fist Tree, Yugin's Construct et Halesha Who Smiles at Death. Deux colorless, un rouge, 3-2, Legendary Creature, Human Warrior, First Strike. Quand Halesha attaque, tu peux payer un hybride blanc ou noir deux fois, hybride blanc ou noir, hybride blanc ou noir. Si tu le fais, tu peux ramener une créature avec un attaque power de 2 ou moins de ton graveyard sur le battlefield, tapé, qui attaque. Thornwood Falls et encore un gain, mais pas celui-là complet. Donc, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, Colin, 5 vidéos. Ben, on va y aller. On va y aller avec Corsair 2019. On commence avec un Cancel, Hostile Minotaur, Night's Pledge, Anticipate, Rock's Oracle, Child of Night, Centaur Courseur, Crash True, Avid Wind Mage, Cavalry Drillmaster, Psychic Corrosion, Rogue's Love, Volcanic Dragon, et Liliana Untouched by Death! Deux colorless, deux noirs, quatre de loyauté, Legendary Planeswalker, Liliana,
Plus 1, tu mets les 3 premières cartes de ta librairie dans ton graveyard. Si au moins une d'entre elles est un zombie, chaque opponent perd 2 points de vie et tu gagnes 2 points de vie. Moins 2, target créature a moins X jusqu'à la fin du tour où X est le nombre de zombies que tu contrôles. Et moins 3, tu peux caster une zombie card de ton graveyard. Tu peux caster des zombie cards de ton graveyard ce tour-ci. Bon, plus un ange. Ah, au moins, un Planeswalker. Hein, continue, Interrevolt. Interrevolt. Cut in Bright. Précise Strike. Interland Drake. Cruel Finality. Ispire Infusion. Price Fighter Constructs. Bastion Inventor. Renegade Map. Welder Automaton. Let Nous Sail Back. Hélicoptère. Foundry Hornet. Crackdown Construct, Heroic Intervention, un colorless, un vert, instant. Les permanents que tu contrôles ont Hexproof et indestructible jusqu'à la fin du tour. Une plaine et un Torterre Token. Bon. Il en reste trois. Vous devinez déjà, hein, c'est quoi qu'il y a à la fin. Hein. Et oui. Fait qu'on va y aller avec un Kaladesh encore. Reckless Fireweaver, Appetite for the Unnatural, Turkara Scavenger, Tidy Conclusion, Inventor's Goggle, Larger Than Life, Revoke Privilege, Glassblower's Puzzle Nut, Rush of Vitality, Arbor Back Stomper, Diabolic Star, Servo Exhibition, oh, ça brille! Ah, Toolcraft Exemplar, un blanc, un. Au début de ton combat turn, si tu contrôles un artefact ou le craft exemplaire, gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Si tu contrôles 3 artefacts ou plus, il y a aussi First Strike et Inventor's Goggle. j'ai vu briller. Je me suis dit peut-être que Montagne est un cerveau token. Malheureusement, c'est pas une invention. Tiens, un petit Out of the Gatewatch avant l'ultime fin. On y va avec un comparative analysis. Eldrazi Aggressor, Core Sightmaster, Corpse Chun, Natural State, Slaughter Drone, Holdout Settlement, Lightning Drone, Kozilek Pathfinder, Isolation Zone, Mending River, Joraga Auxiliary, Void Shatter, Seagate Wreckage, un land. Tap, add un colorless, 2/+1 colorless. Pige une carte, tu peux juste activer ça si t'as pas de carte dans les mains. Une île et un Elemental Token. Donc, encore une fois, merci énormément de prendre du temps chaque semaine pour nous regarder, de commenter. Évidemment, c'est en partageant les vidéos, c'est en faisant parler de la chaîne que vous pouvez nous aider à grandir, à aller chercher plus gros bassin, à toucher plus de gens, c'est en commentant, en donnant vos suggestions qu'on va 1, 3, me semble, ouais, qu'on va vous produire du contenu qui vous intéresse. Vous me l'avez prouvé avec mon petit vidéo de nouvelle MTG. On va travailler là-dessus, on va essayer de vous sortir ça. Je veux à 200 dans une soixantaine de vidéos, donc quelques mois, on va faire un Q&A. On va essayer d'aller jouer au Monarque avec vous. Je vais refaire une vidéo bientôt sur le Monarque. Zombie Token, Intersnipe et Galactique. Bon. Un vert, un blanc, 2-2, Legendary Creature, Kitkenet Visor. Non-creature spell avec un mana converti de 4 ou plus ne peuvent pas être castés. Les non-creature spell avec X dans leur mana cost ne peuvent pas être castés. Donc, hey, ça fait 25 minutes. On a ouvert une couple de boosters. On a ouvert 5 boosters. J'espère que vous avez apprécié. C'est ce qui s'en vient pour la chaîne. J'espère que vous allez rester avec nous encore plusieurs années. On va sûrement s'en au moins à 2. On va continuer à essayer de s'améliorer. Puis, merci, tout simplement, parce que c'est grâce à vous
et c'est pour vous qu'on fait ça. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.